Alors, on est dans des conditions qui sont vraiment pas faciles. Je te rappelle que ce matin, il fait 6 degrés, 7 degrés. Le support est à 6 degrés. Attends, je vois pas. 7 degrés. Donc, le support est à 7 degrés. J'ai amené de l'eau à 44 degrés. Donc, on va faire une pulvérisation. On va faire une atomisation avec la peinture non diluée. C'est-à-dire que là, on va voir à combien elle est. En surface, elle est à 33 degrés, on va dire. C'est parti. Voilà, j'en mets pas trop non plus. Je referme. Je la relaisse dans l'eau. Que je m'en mette pas partout. Voilà. Oh bah ça fait, c'est bien agréable d'avoir un petit peu d'eau chaude. Donc je revisse. Dans le godet, c'est à 35 degrés. Je remonte comme ça. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que maintenant que le pistolet est dans l'eau chaude, il ne faut surtout pas qu'il y ait des gouttes, tu vois, qui tombent sur ta surface, notamment les surfaces horizontales. Donc surtout bien nettoyer ton pistolet. Ça m'est arrivé de mettre des gouttes d'eau dans mes pulvérisations. Là, tu gâches le travail. Donc on est quand même sur une bonne température. Je vais t'enlever la bassine, ça va éviter d'avoir les fumées. Est-ce qu'on est cadré? Oui. Et j'attaque la pulvérisation. Donc, cette fois-ci, j'ai retrouvé mon masque. Je vais le reposer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une petite goutte tomber. Hop. Pour le pistolet, parce que comme j'ai ouvert ma gâchette, voilà, donc faut vraiment bien te mettre en place, bien te préparer. Ça fait partie d'une bonne préparation, fait partie de la bonne application. Si tu es mal préparé, tu risques de rater ta pulvérisation. Ouais, ça n'arrête pas. Voilà. Le mieux, c'est de serrer correctement les pointeaux. Bon, allez, on y va. C'est pas le top, mais voilà. Donc, je vais démarrer avec très peu de produit et l'air à moitié.
voir. Bon, alors, bizarre ça, je suis cadré ou pas? Voilà, bon. Bon, je viens de finir à l'instant. Bon, ça s'est plutôt très bien passé. Je vais te faire voir, allez hop. Je vais te faire voir la dernière couche. C'est parti. Voilà, maintenant, en espérant que il n'y ait pas trop de cochonneries qui tombent dessus. J'ai plutôt chargé correctement mon feuille de peinture, évidemment, puisque ça n'a pas été dilué. Donc maintenant, la peinture va se tendre et on va voir le résultat au séchage. Du coup, on ne voit plus la petite coulure, tu vois. Ça a été repris correctement. Là aussi, je pense que tu vas voir l'effet brillant. Donc, ça ne restera pas aussi brillant. J'ai insisté un petit peu sur les tiroirs parce que je veux absolument qu'il soit bien chargé au niveau de la moulure intérieure. Voilà, je te fais voir. Et comme ça, ça va être bien chargé. Pour faire la synthèse sur cette série de pulvérisation, nous avons vu donc dans la première playlist les vernis en phase aqueuse. Il y avait un premier vernis où il fallait, chez Blancolor, mettre 50%. 100% d'eau, donc on se retrouvait avec une fluidité de 14 secondes au viscosimètre. Après, on a essayé un vernis de chez V33, je crois que la viscosité était aux alentours de 3 minutes. Et donc là, on a fait une autre type d'application. Je te rappelle que la dernière couche, d'ailleurs, que l'on pourrait faire, c'est mesurer la viscosité du produit sans dilution. Donc du coup, j'enlève ça. Alors, je vais faire ça comme je peux. Hop. C'est parti. 1, 2, 3, 49, 50, 51. Bon, un peu entre 48 et 55 secondes, hein, parce que je l'ai fait sans être très précis. Et l'intérieur du produit est à 26 degrés 2.